Moi, j'adore la maîtresse des tests. Qu'on fasse croire qu'on a envie de faire pipi pour aller se promener. Qu'on bavarde avec son voisin. Quand on mange dans la classe en cachette. Qu'on fasse croire qu'on est malade pour aller à l'infirmerie. Qu'on s'amuse au lieu de travailler. Qu'on copie sur son voisin. Qu'on se lève sans la permission. Qu'on renifle pendant la lecture ou la dictée au lieu de se moucher. Qu'on rapporte. Qu'on dise des gros mots ou qu'on parle n'importe comment. Qu'on raconte des bobards pour pas se faire gronder. Qu'on travaille comme un cochon, qu'on fasse des ratures. Qu'on parle les photocopies qu'elle a distribuées. Qu'on traîne pour finir un exercice. Qu'on se fasse des tatouages au stylo au lieu de travailler. Qu'on fasse passer des petits mots aux copains et aux copines. Qu'on court et qu'on crie dans les couloirs. Qu'on fasse l'imbécile derrière son dos quand elle écrit au tableau. Qu'on gribouille sur la table, sur les livres ou sur les cahiers du voisin. Qu'on tripote des trucs sur son bureau quand on vient la voir. Qu'on soit en retard. Qu'on profite d'un moment où elle doit sortir de la classe pour faire du chahut. Qu'on rêve en regardant par la fenêtre. Qu'on parle sans lever le doigt. Qu'on n'apprenne ni ses leçons ni ses récitations. Qu'on dise c'est pas moi, c'est pas ma faute. Qu'on n'écoute pas et qu'on lui pose une question à laquelle elle vient de répondre. Qu'on dessine sur le tableau quand elle n'est pas là.